So please welcome Michelle for her talk about the urban organism hacking in Hong Kong. Donc on dit bonjour à Michelle pour un talk pour l'organisation urbaine de Hong Kong. So thank you for coming today. Merci d'être venu. Well, you could be anywhere right now. Et, vous pourriez être n'importe où et vous êtes venu ici, donc je l'apprécie. Donc cette présentation va parler des pratiques de hacking à Hong Kong et ça va s'intégrer avec le processus de concept d'urbanisme et d'architecture. Donc j'ai été formé comme une architecte et je voulais un peu étendre mes tentacules et je fabrique des bâtiments pour aller plus loin dans la technique et je voudrais avoir plus de contacts personnels avec les individus. Et j'enseigne donc à l'université de Hong Kong. Donc la métropole dont je parle, c'est Hong Kong, si ce n'était pas évident bien sûr. C'est une ville très contradictoire. Il y a un côté culturel qui vient du système colonial et aussi des traditions chinoises, mais avec une modernité globalisée. Donc, il y a un peu ce slogan, c'est la cité du monde de l'Asie. Et d'une certaine façon, c'est un entrepôt ou peut-être une sorte de buffer, de tampon entre la Chine et le reste du monde. À une époque, c'était pour l'opium, le thé, le sucre, les textiles. Mais maintenant, c'est bien sûr un centre financier, donc on peut parler à la place de cocaïne, d'assurance ou d'action, de marché financier. Et quelque chose qui est peut-être évident pour tous les gens qui vont en Asie, c'est qu'il y a plusieurs facteurs qui sont en jeu pour rendre Hong Kong plus intéressant. Bien sûr, la densité énorme de la ville. Donc ici, vous pouvez voir d'un côté ce qu'on appelle the room, la pièce. C'est une pièce avec énormément de caméras de surveillance. Et à droite, vous pouvez voir un HLM extrêmement dense, typique de Hong Kong. Alors, il y a plusieurs aspects intéressants. Hong Kong est très près de la ville de Shenzhen, donc juste quelques heures pour aller dans cette énorme ville-usine où vous pouvez trouver absolument tout ce que vous voulez. Et Hong Kong est aussi juste à l'extérieur du grand firewall de Chine, du grand mur numérique de Chine. C'est culturellement accessible, Hong Kong. Vous n'avez pas besoin de parler chinois pour avoir quand même accès à beaucoup de choses. Vous serez un petit peu exclu de certaines choses sans parler chinois, mais l'anglais devrait suffire pour beaucoup de choses. En troisième point, il y a énormément de stimuli à Hong Kong. Comme toute métropole, il y a énormément d'activités, beaucoup de possibilités, et il peut se produire absolument n'importe quoi. Et c'est une différence qui, pour moi, personnellement, m'importe beaucoup. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tout peut se produire à Hong Kong si vous êtes prêt à payer le prix. Et le prix n'est pas forcément si élevé que ça, je vais en parler plus tard. Excusez-moi. Donc dans cette sorte de cornucopia socioculturelle, ce qui crée toutes ces contradictions et ces complexités, c'est avant tout l'inégalité économique qui augmente. Les coûts, le prix des bâtiments, le prix des terrains augmente énormément et il y a une pression énorme pour aller vers le commercialisme. Et plus la ville grandit, plus cette séparation grandit également. Et dans cette ségrégation, il y a une forme d'uniformité qui se crée. Une des caractéristiques qui définit les villes postmodernes, c'est comment est-ce que la bureaucratie est utilisée, comment la bureaucratie utilise le contrôle. Dans une ville comme Hong Kong, la bureaucratie est extrêmement puissante. Et sans aller dans les détails ennuyeux, un des labels ici qu'on peut utiliser, c'est le capitalisme. L'escroquerie du capitalisme. Les changements technologiques dans l'espace public rendent ça de plus en plus évident que le terrain urbain, c'est un espace temporaire et dans lequel les changements sont gouvernés par le contrat social.
la capacité de profiter des espaces publics, des parcs ou même des transports publics, c'est la responsabilité d'une organisation. De cette façon, la ville se résume à une maison, se résume comme une maison ou un espace collectif, mais pas seulement, aussi plutôt comme un flux de gens, un flux d'informations et un flux de biens. On peut voir par exemple des villes où il y a des règles comme ne pas fumer, ne pas faire de skateboard, ne pas jouer de musique en public, d'une certaine façon, pas de fun. Et il y a aussi, on essaye de maximiser la taille des bâtiments, donc vous pouvez avoir simplement un mètre de trottoir devant un bâtiment. Et en fait, ça vient aussi du fait que le trottoir est possédé par les entreprises qui possèdent les bâtiments. Et donc, la révolution technologique nous permet de déplacer les responsabilités sur les tasks, sur les tâches courantes. La technologie, ça a été une extension de nous-mêmes pour une période assez longue. Et peu se souviennent de quoi ça nous ampute, en fait. Et donc, Gary Taube dit que ça, c'est un peu comme le sucre. Donc, c'est une substance qui nous donne du plaisir, mais c'est difficile de savoir quels sont ses effets à long terme. Donc ça, c'était dans le cas du sucre en 2016. Et si on considère que les villes vont de plus en plus dans le monde numérique, dans le monde virtuel, et on est dans un monde qui est vraiment secoué par et menotté par la complexité algorithmique, avec entre autres des voitures autonomes, et dans ces réseaux complexes, on n'était jamais censé être dans des boîtes de béton ou en train de voler dans le ciel ou scellés les uns des autres. Et parce que depuis des siècles, l'être humain vit en tribu, et même si le monde a l'air de réduire en distance avec les avions, l'internet, l'espace entre chacun et avec chacun est en train de se réduire. Et la machine a remplacé nos doigts, et on n'a plus besoin de les uns des autres pour satisfaire nos besoins. Donc j'espère que j'ai posé un peu le décor pour cette scène un peu dystopienne. Donc l'uniformité, je veux dire que c'est inévitable, et pour moi c'est pas si mal si on peut la transformer en coopération, en fait, et pour avoir une compréhension des similitudes, en fait on a cette qualité en nous quand on est jeune, donc on peut avoir ces joies d'identifier en fait les choses comme étant à nous, de comprendre, de faire des changements à notre environnement, et de laisser une marque, en fait, dans le monde. Donc, notre capacité à collectivement... désolé, il manque deux images. Notre capacité à coopérer collectivement en grand nombre, c'est notre force dans ce monde. C'est la raison pour laquelle on est tous ici, à cet événement extraordinaire. C'est parce qu'il y a des choses comme ça qui sont parfois organisées et parfois non. Ensemble, il faut qu'on trouve l'équilibre entre l'écologique et l'ingénierie, ou entre le design et l'organique. Et pour moi, métaphoriquement, le lien entre la ville et l'hackerspace, ça a quelque chose en commun avec les termites, les fourmis, les moules, les bactéries, la moisissure. C'est l'expérimentel, la composition harmonique qui apparaît automatiquement dans l'auto-organisation spatiale. Donc ça montre quelque chose qui est difficile à rater une fois qu'on y va. Voilà ici des termites qui d'un côté construisent et d'un côté détruisent l'environnement autour d'elles.
Moi, j'aime beaucoup regarder des comportements émergents comme ça, complexes, coopératifs et pourtant primitifs quand même. Donc, si on pense de ce côté-là, il y a un côté micro et un côté macro dans nos environnements. Et ça, c'est un aspect qui s'applique aussi au hackerspace et ça m'amène au hackerspace, puisque eux aussi font partie d'un concept de collectif, d'action distribuée. Alors, bien sûr, c'est découpé à cause du côté un petit peu désorganisé des humains et surtout de la communauté hacker. Bon, parlons maintenant de Dim Sum Labs, le premier et seul hackerspace de Hong Kong. Il a commencé, comme la plupart des hackerspaces, avec quelques personnes qui se sont réunies dans un endroit un peu informel pour parler de trucs un peu geek. Et l'emplacement officiel a été obtenu en 2011 avec 10 cofondateurs qui se sont réunis dans un building commercial à Shenwan qui est plutôt pratique pour la plupart des gens. Mais c'est aussi limité en surface. C'est un nom assez amusant. Je ne sais pas si vous savez, mais dim sum peut vouloir dire toucher votre cœur, littéralement. Mais dim sum, c'est surtout un type de cuisine ou une activité à Hong Kong. Vous pouvez passer des heures à grignoter des choses qui ont été cuites à la vapeur dans des paniers en bambou. Et quand plein de gens se réunissent pour faire ça, vous avez une occasion d'expérimenter et de goûter énormément de diversité. Ah, j'ai perdu une autre image. Il y avait une image de dim sum. Et ça m'embête beaucoup de perdre cette image. Ok, donc, comme j'ai décrit avant, à cause de notre proximité avec la Chine et à cause de notre espace très limité, et à cause de ce contexte où l'argent est roi et on est les bouffons de sa cour, ça forme la culture de l'espace, de façon où on peut, par exemple, se procurer des biens très peu chers, comme des coupes laser et des composants pour seulement 4000 renminbi, environ 500 euros. Et ça nous permet de découper des choses pour extrêmement peu d'argent. Mais on dépense tout le reste de l'argent sur le loyer. Et même dans une atmosphère très traditionnelle de gens qui continuent leur voyage, leur hobby ou leur style de vie. Et à Hong Kong, comme dans le reste du monde en dehors de l'Allemagne, le hacking, ça a une connotation très différente qu'on préfère. Le hacking, c'est l'activité intellectuelle d'explorer les objets, les systèmes, les protocoles au-delà de leurs objectifs primaires. Mais plein d'endroits ne voient pas les choses comme ça. Et c'est pour ça que... Allez-vous-en les termites. Ok, et c'est donc pour ça qu'il y a un livre, le manuel du hacking. C'est une poignée de main, c'est une main tendue peut-être vers la plus grande communauté. Comment est-ce qu'on peut encourager les autres à hacker sans leur montrer comment faire? Le livre a une collection de projets d'une façon un petit peu tutorielle, des réflexions et des aperçus, des activités qui ont lieu dans notre communauté. C'est organisé en 6 sections, chacune avec une introduction par quelqu'un qui explique un aspect périphérique du monde du hacking. Et parce que comment est-ce qu'on pourrait parler de la communauté du hacking, bien sûr, sans parler de Mitch. Si des gens ne savent pas qui il est, tous les ans, il organise un voyage en Chine, donc vous devriez peut-être essayer de faire ça. Certains des projets qu'on a, on a commencé avec des choses très simples, comme par exemple ce badge bouton, quelque chose que vous pouvez construire vous-même. On a des liens vers les repositories sur GitHub et toutes les informations qu'il vous faut pour le réaliser et même vous apprendre à souder si nécessaire. Quelques projets sont peut-être un peu plus fonctionnels, comme par exemple ici ce compteur d'électricité dans notre espace. Ça nous aide aussi, puisque par exemple, si quelqu'un a oublié d'éteindre la climatisation, on peut s'en rendre compte automatiquement. D'autres projets qui sont peut-être un petit peu, qui créent un peu plus de polémiques. Voici Naomi Wu, qui est connue sous le nom de Sexy Cyborg. Elle est assez connue sur Twitter, vous la suivez peut-être. Et si vous voulez regarder son compte Twitter, vous comprendrez par vous-même.
Et on a des projets qui sont aussi plus artistiques. Donc ce projet s'appelle Field, le champ, par moi et Savio. Et je vous en montrerai peut-être un peu plus si j'ai du temps à la fin. Donc ce projet-là n'est pas très tutoriel, mais je vous explique quand même comment le modifier si besoin. Et ces introductions ne se contentent pas d'introduire bien sûr cet océan de projet, mais donnent un peu plus de contexte sur, pas forcément comment hacker, mais comment participer physiquement ou moralement. Et c'est de ça dont je parlais quand je parle de tout ça et de cet environnement un peu dystopien. Voici le docteur Daniel Howe qui enseigne une classe sur l'activisme et l'art et qui a écrit l'introduction sur la liberté artistique à Hong Kong et l'activisme à Hong Kong. Voici Scott Edmonds qui a fondé le projet de génome du pays de Bohinia. Et donc c'est le code à quatre lettres de l'ADN et en fait... Il a tissé le lien entre l'histoire de Hong Kong et de sa société. Et donc en inclusivité, Sarah Fox écrit à propos de l'inclusivité et la technologie avec le respect des espaces inclusifs. Ensuite, on a eu Luis Felipe Murillo qui écrit à propos des joies et des tribulations d'un laboratoire ouvert. Donc j'espère que cette présentation et le livre vous donnent quelques idées de comment ça se passe. Et c'est difficile d'avoir des gens de l'autre bout du monde qui comprennent ce qui se passe. Et donc les questions qu'on m'a posées, c'est où est-ce que je peux trouver le livre? Ben, là, il y a le site web et l'email. La question est, est-ce que je peux... acheter le livre, non, désolé, parce que je suis en rupture de stock. Et la société de publication, en fait, c'est Dimsum Labs, c'est moi. Si quelqu'un connaît un éditeur, ça peut m'intéresser, parce que je l'imprime de chez moi. Et j'ai besoin de plus de contenu aussi. Si vous voulez faire partie de la communauté, n'hésitez pas à me contacter. Non, maintenant, ce n'est pas vraiment une conclusion, mais Hong Kong ça est devenu une partie de cette expérience géopolitique. On est au bord, on essaye de maintenir cette individualité, mais en même temps, on est lié très proche à la Chine et à Shenzhen, où il y a beaucoup de régulations. Et en fait... passer outre ces régulations et ces limitations dans un sens social. En fait, à Hong Kong, tous les gens qui arrivent ont la même fascination. C'est toujours, par exemple, l'escalator au milieu de la ville où on essaye de se pencher pour avoir un aperçu du ciel bleu. Il y a une énorme quantité de structures qu'on peut construire avec nos petites mains et on peut vraiment mettre nos technologies dans pas mal d'équipements et en fait on revendique notre territoire. On veut pas être complice de notre déchéance, mais on veut vraiment être acteur et acteur de tous les aspects, de l'aspect physique, de l'aspect temporel et de l'aspect digital des rues sur lesquelles nous construisons. Thank you very much, Michel. We now have time for... Merci beaucoup, Michel. On a un peu de temps pour les questions et je vois qu'on en a déjà. Si vous avez des questions en écoutant le stream, n'hésitez pas à nous rejoindre sur IRC pour les poser. Première question. Merci pour cette présentation. Qu'est-ce que vous diriez à un Européen qui veut vivre à Hong Kong? Comment obtenir un visa, etc. Alors, je me demande comment je vais dire ça. Premièrement, vous pouvez juste venir, il y a plein d'Européens, vous n'allez pas vous sentir trop dépaysé. Deuxièmement, je vais vous le dire. Il y a une façon facile d'avoir votre propre visa, c'est de créer une entreprise à Hong Kong, c'est très facile et vous pouvez vous employer vous-même
et récupérer un visa. Ne dites pas que je vous ai dit ça. C'est juste entre nous et l'Internet. Bien, pas d'autres questions. Il y a toujours des micros pour les questions. Et si vous écoutez le stream à nouveau, vous pouvez poser vos questions sur irc.hacking.org. Alors, ça, c'est pas une question, mais je voudrais vous dire, il y a un éditeur qui s'appelle Starch Press pour tout ce qui est un petit peu geeky. Donc, si vous cherchez un éditeur, je vous suggère d'aller voir celui-là. Oui, je les ai vus. Je suis pas encore arrivé très loin parce que je fais tout moi-même. Donc, mais si vous avez un contact. Microphone number two. Where do you see differences between hacking culture in Hong Kong? Qu'est-ce que vous voyez comme différence entre la culture du hacking à Hong Kong et la culture du hacking en Europe? Alors, l'activité fondamentale de hacking n'est pas vraiment différente, parce qu'on est tous des gens qui essaient d'explorer qu'est-ce qu'on peut faire de cool avec les choses qu'on a autour de nous. La plus grande différence que je vois, c'est comment est-ce qu'on passe notre temps et à quel point on est généreux avec nous-mêmes. Si on est dans une ville très commerciale qui est dominée par la mentalité de la finance et de l'argent, alors votre temps devient de l'argent et on sent que les gens veulent pas s'étaler trop parce que leur vie est dominée par le travail, ils ont des dîners, ils ont pas mal de choses à faire et ils ont pas le temps d'être volontaires dans un espace. Hi, question. How famous are hacker communities in Hong Kong? Est-ce que les communautés de hackers à Hong Kong et dans le reste de la région, est-ce que c'est connu? Est-ce que le public connaît l'existence de ces communautés? Par exemple, si j'étais en Asie et que je cherchais un équivalent du Chaos Computer Club, peut-être à Hong Kong ou ailleurs, à Singapour ou Tokyo, où est-ce que j'irais chercher? Si je cherche par exemple un événement de hackers en Asie, où est-ce que je devrais me tourner? Donc on n'a pas vraiment d'événements hackers en Asie. Il y en a quelques-uns à Singapour. Et je pense que la make-offer de Tokyo est plutôt sympa. Et en termes d'objets et de choses. Mais on n'a pas vraiment de cette communauté parce que le hacking, c'est vraiment un concept occidental. Et la façon dont une partie de l'Asie, donc si on inclut la Chine et le reste, c'est pas vraiment considéré comme du hacking. En fait, si vous comprenez la façon dont les Chinois font les choses, ils pensent pas que c'est du hacking. En fait, pour eux, ça fait partie de la culture. C'est comment vous faites pour que les choses fonctionnent pour vous. C'est un peu plus dispersé et c'est pas vraiment un terme parapluie sous lequel tout le monde peut se réfugier. Ah oui, il y a aussi la Maker Faire de Shenzhen qui est vraiment cool. Alors, ici, tout le monde est d'accord pour dire c'est très très bien et c'est très cool ce que vous faites. Ma question, c'est qu'est-ce que vous faites pour aller chercher des gens hors de votre hackerspace, peut-être dans une université ou en dehors des geeks qu'on peut trouver dans Hong Kong, la communauté en dehors du hackerspace, par exemple, des gens qui ne sont pas des développeurs ou qui ne sont peut-être pas même des artistes, des gens qui ne sont pas les gens qu'on trouverait plus facilement dans un hackerspace. Est-ce que vous le faites et si oui, comment? Donc j'espère que c'est ce que le livre va accomplir parce que j'ai essayé de le faire diffuser par une association de design architectural. Donc c'est une association, donc c'est un peu un différent public. Mais malheureusement, et en voyant ça avec l'enseignement et tout ça, en fait, le hacking, c'est un peu une espèce de contre-culture. C'est quelque chose qu'il faut que je négocie parce que je veux pas que ce soit juste un effet de mode. Je veux pas que ce soit juste une version alternative de quelque chose d'autre, mais plus comme une façon de penser, une façon de vivre, en fait. Hello from a fellow Hong Kong citizen. Bonjour de la part d'une autre citoyenne de Hong Kong. Je me demandais simplement, est-ce que le hackerspace à Hong Kong a des activités politiques? Parce que vous avez montré, par exemple, des photos de la révolution des parapluies.
Donc voilà, c'est juste un exemple. Est-ce que vous pensez politique par rapport à, directement contre la Chine et Hong Kong? Je dirais pas vraiment, parce que la base de mémoire est pas, enfin est assez locale. Et mais si vous considérez la politique comme open source, alors oui, il y a des gens qui font ça. Donc c'est assez vague, mais désolé. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions, et donc à propos par exemple de l'éducation, je lis beaucoup de choses sur le fait que à Hong Kong, j'ai pas l'impression que le hacking ou même l'éducation du code, c'est quelque chose qui est en marge. J'ai l'impression au contraire que énormément de parents veulent que leurs enfants apprennent à programmer. Est-ce que c'est quelque chose peut-être que le hackerspace pourrait regarder ou tenter de faire? Je suis d'accord avec cette idée que le hackerspace pourrait être pourrait organiser des camps pour les enfants pour apprendre à programmer, etc. Mais je pense que si on donne les kits aux enfants où ils ont ce kit et ils font et ça marche, mais ça maintient cette image que c'est assez limité. Pourquoi j'aurais besoin d'un kit si je peux faire les choses par moi-même? Et donc c'est basé aussi sur le système éducatif à Hong Kong, où vous savez que c'est surtout à propos de régurgitation et pas à propos de pensée critique. Et c'est vers ça que je veux les pousser. C'est quand je fais de l'éducation, j'essaye de le faire avec mes étudiants, mais je suis assez limité. Ne soyez pas timide. Je suis sûr que vous avez d'autres questions et Michel a des choses à vous proposer en termes de dialogue. Avez-vous des questions de l'internet peut-être sur IRC? Non, pas de questions. Michel, vous avez apporté quelque chose qui est posé ici sur la table. Est-ce que vous voulez le montrer? Alors oui, c'est juste au cas où je parlais un peu trop vite et j'avais trop de temps à la fin de présentation et j'ai apporté ça. Donc ça, c'est le livre dont je parlais. Il y a plein d'autocollants dessus parce que c'est ma copie. Donc ça, c'est la version, l'édition limitée. Il n'y en a que deux comme ça. Au dos, il devrait y avoir un PCB qui est directement incrusté dans la quatrième couverture. L'idée, c'est vous pouvez dessiner une forme ou une ligne avec un crayon de bois, un crayon qui a du graphite ou même du cuivre. Et ça change la fréquence qui est générée par le circuit. Donc ça, il y a une autre version. Ça, c'est la version avec les trous perçants qui était circulée. Et je peux jouer avec juste pour vous donner un exemple. Ah, aussi, ça c'est quelque chose qu'on a construit parce que le logo du Dim Sum Bab, c'est un Tashio Bao, donc un raviole au porc barbecue en quelque sorte. Et du coup, c'est en forme de ça. Then we can change the pitch. And then the rate. And then we have switches that can change it from a continuous manner to a step fashion. Yeah, that's kind of it. Donc on peut régler le volume, la fréquence, la vitesse des oscillations et est-ce que c'est un mode continu ou un mode discret de son. Ah, merci beaucoup Michel et je pense qu'on devrait l'applaudir vraiment beaucoup pour cette excellente présentation.